Ensemble, on va manger le quartier. Après, il y a 3 mois, on a commencé à travailler avec les enfants de l'école, avec le centre socioculturel Les Amars, avec la maison du théâtre, à imaginer ce qu'on allait pouvoir faire, définir un territoire. C'est quoi Quéréderme? Où sont les limites de Quéréderme? Les bénévoles du centre social, les enfants, des gens du quartier, il y a le PIMS, il y a la crèche, il y a le métro, le bar, où tout le monde s'est investi pour nous proposer quelque chose à mettre sur la maquette. Il y a eu les petits débrouillards qui ont fait le support de la maquette. On a travaillé aussi avec Brest Métropole pour avoir la carte. Tout ça s'est fait au fur et à mesure. Et on a fini le jour J, c'est-à-dire aujourd'hui,
à tout mettre en place sur la maquette que vous avez pu, vous allez pouvoir voir. Vous avez déjà vu. Mais cette maquette, il faut vraiment en profiter. Il va falloir la déguster aussi. Parce que dans une heure ou deux, elle n'existera plus. Elle n'existera que par les photos ou parce qu'on aura le souvenir de ce qu'on en a, de ce qu'on a vu dans notre tête. Et c'est ce moment magnifique où on partage ensemble cette émotion qui est importante. Et là, il va y avoir les enfants de la classe d'Alix, qui s'est beaucoup investi dans le projet aussi, avec Céline, qui ont fait des ateliers d'écriture, qui vont nous proposer les textes. Et après, on pourra aller manger son quartier. Donc là, on va laisser la parole aux enfants avec leurs textes. Ils sont beaucoup investis. Hein. Il y en a même ce matin qui étaient là pour nous aider à la mettre en place. Les oiseaux ont chanté, le soleil remplace la pluie après la tempête. Le papillon rouge, il court après les oiseaux, le printemps revient.